Peut-être que le fait que je n'ai pas lancé la chronologie en fond, ça peut aider aussi pour pouvoir signifier qu'on est en train de faire une chronologie des femmes artistes. Ah, Est-ce que tu veux expliquer ce qu'on fait ici à la base? Oui, alors d'habitude c'est l'introduction, mais là il y a eu un chamboulement. Chronologie des femmes artistes, le jeudi soir, on se retrouve comme tous les jeudis soirs. On est à l'épisode 26. Oui. Waouh! Épisode 26 de la saison 2. Et bien sûr, on continue à vous présenter, pardon, excusez-moi, Tu attendez, je vais devrais faire un arrêter, oui. truc, voilà. Présenter des parcours de femmes artistes qui ont évolué depuis avant Jésus-Christ jusqu'à 1982. On parcourt les pages Wikipédia, on lit les biographies, on vous fait connaître un parcours et voilà, et on découvre les œuvres, bien sûr. Et on cherche notre fameuse date de première monstration, qui est la date que nous allons mettre dans la frise. Donc frise chronologique, bien sûr. D'où chronologie des femmes artistes. Voilà. Voilà. Donc, C'était court aujourd'hui, hein, je la fais court. de toute façon, là, dans le titre, j'ai mis justement les commandes aujourd'hui pour pouvoir que si jamais il y a un raid, au moins tout le monde peut savoir. D'accord. Oui, ça ne nous rajeunit pas et bon dalle de riz, De quelque riz et chose. peut-être autre chose, là, du coup. Ouais. Dalle de lentilles, un dalle de épinards, un dalle de carottes, Ouais. un dalle de potimarron. Il y a plein de dalles qu'on peut faire. Avec des produits français, tu vois. Oui. Des biais? Nous avons des biais? Oui. Nous avons des biais. Biais numéro 1. On est sur le World Wide Web la France. Nos recherches, elles sont biaisées par la France et la vision franco-centrée, euro-centrée, occidentalo-centrée. Comment ça, un dalle de. Bah, bien sûr, un dalle de tout ce que tu veux, tu fais la même base, mais tu changes les lentilles par autre chose. Lentilles, lentilles corail. Pois chiche et moult plaisir. Ouais, donc les biais, pardon. Donc après, il y avait la date, c'est la question de la date que j'ai déjà évoquée, la question de passer par des pages Wikipédia, donc avoir une première relation avec le parcours de l'artiste qui peut être très sourcé comme pas du tout sourcé. Et puis quoi? Mais tout écrire. Ah ouais, pardon, c'est devant ma tête. Et le dernier, c'est qu'on vous parle de pratiques visuelles. Donc des choses qu'on peut vous transmettre par l'image. L'image peint en mouvement. Car on est sur Twitch Car on est sur et qu'on Twitch. n'a que 2 heures. Voilà. Et donc bah, le reste, je dis. Déjà. Voilà, et du coup, il y a plusieurs outils actuels de Dalle de terrasse. Bah, il faut rentrer la terrasse dans la casserole, mais why not, Ouais. Et du coup, le truc, c'est qu'on a plusieurs outils. Nous, on a là une frise qui est visuelle là derrière, mais que peut-être à un moment, on va réussir à faire quelque chose avec pour vous la transmettre. Mais d'abord, en attendant, vous avez le Framapad qui vous donne accès à la liste complète, actualisée, en live, de ma part. Pendant la lecture et tout ça, etc., où il y a déjà tous les noms d'artistes, le lien direct vers le YouTube qui est les archives des chronologies, et ensuite dans la description, vous avez les liens directs de ce qu'on a déjà vu dans Chronologie, les anciens par exemple, pour Wikipédia, et quoi d'autre? Bah, le nombre, parce que oui, on est à 26 épisodes. Ouais. Et je crois qu'on avait fini à 30 l'année dernière. Ouais, on est loin là. J'ai calculé, tu veux savoir auquel on s'arrête, nous? Oui. 39. 39, d'accord. Bon, il en reste pas beaucoup alors. Hein. Donc apparemment, oui, donc j'ai calculé pour fin mai, je crois. Ou début mai, je sais plus. Enfin, fin de l'année scolaire, quoi. Ah, bon, tu finis en mai, toi, Non, 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 l'année non. scolaire? Je sais pas, je sais plus.
En juin, fin juin. Voilà, j'ai calculé dans la semaine, mais je suis fatigué, donc ça se voit plus, dans mon cerveau en tout cas. Je comprends. Je n'ai plus les chiffres en tête, comme on dit. Mais en tout cas, oui, on va aller vers 30, max. On ne sera pas jusqu'à 40, je pense. Voilà. Dans le Frama, il y a ça, en tout cas. Et si vous avez besoin, il y a bien sûr la chaîne YouTube, hein, mais si vous avez besoin d'aller directement sur YouTube pour aller voir les anciens, parce que en fait, vous trouvez que celui-ci et cet épisode est très chiant, parce qu'on est fatigué. Parce qu'on n'est pas fatigué toutes les semaines. Non, en ce moment, c'est juste infernal. Depuis janvier, je sais pas ce qu'il y a, mais je crois que c'est le froid. De mal en pis, comme, ouais. Comme on dit. Donc du coup l'idée c'est que voilà sur YouTube il y a déjà les anciens, il y a la première saison, si vous voulez avoir la première saison, où il y a 33 épisodes et quelques, dont un hors série, qui est pas totalement fini d'ailleurs, d'archiver. J'ai peut-être trouvé une technique du coup pour pouvoir faire les sous-titres que j'ai balancé dans le Discord, si vous voulez aller voir dans le Discord. Parce que la technique des sous-titres pour pouvoir les récupérer, pour pouvoir avoir le temps, pour pouvoir. Voilà. C'est compliqué. Du coup, c'est dans le Discord. Et c'est aussi pour pouvoir qu'on puisse balancer des informations comme des colloques autres et non trouvés. Et les bêtises qu'on clip. Il y a quoi d'autre? Des boîtes à outils pour si vous voulez twitcher. Ouais, il y a plein de choses. Hein, ouais. J'ai l'impression que je rajoute pas suffisamment de choses dans la semaine, mais. Dites-le moi, bien sûr. Petite mutinerie dans le Discord, de temps en temps, ça peut aider. Yanina aussi. Yanina aujourd'hui, qui est présente, qui a l'impression qu'on prend sa place en tant que streameuse. Ce qui est le cas. Je tiens à te préciser, du quotidien. Elle stream beaucoup d'heures par ouais. Semaine, bien sûr. Beaucoup de just chatting. Hein. Beaucoup de just sitting, même. Ouais. Et beaucoup de cooking aussi. Ou chilling, plutôt. De chilling. Voilà. Donc, ouais. Nous, on va faire la chronologie. J'ai déjà plus ou moins préparé, parce qu'on a une liste de l'année dernière, qui est toujours active, de plus de 90 personnes que nous n'avons pas encore découvert. On a rajouté en plus. Donc ça veut dire qu'on en avait calculé, 98, on est à 98-99 again, alors qu'on a... Alors qu'on en avait enlevé 4 la semaine dernière. Oui, parce que sinon on va faire un chronologie futur 3 et ça va être pareil, tu vois, si on veut pas l'augmenter. Oui, non mais voilà, là on va rester dans le même dossier parce qu'il faut arrêter de déconner. Je vous montre du coup les favoris. Voilà. C'est dans Chronologie Future 2, nous sommes actuellement à je ne sais pas combien, mais ça fait un tas. Moi je crois que tu avais vu en mettant rouvrir l'onglet ou je sais pas quoi la semaine dernière. Je sais plus, oui, waouh. 99. Donc ça veut dire que c'est le maximum, voire plus. Ah mince. Oui parce que j'ai réfléchi, mais en fait c'est ça. En fait il y en a 250. Voilà, donc on commence tranquillement, je pense que c'est bien. Allez. J'ai ouvert du coup Frances McDonald. Très bien. Je vais vérifier dans le Framapad que nous ne l'avons pas faite. Je pense qu'on ne l'a pas faite. Sachant qu'elle est dans les onglets encore, mais c'est surtout que je ne me rappelle pas de son nom. Mm-hmm. Si tu as... Ah, elle fait partie du groupe The Four. Du coup, là, non, elle ne fait pas partie du groupe. Tu peux commencer. Très bien. Donc... Je vais baisser peut-être le son. Non, c'est moi qui l'ai fort. Oui, c'est bon. Première artiste de ce soir, Frances McDonald, qui est née le 24 août 1773 à Kids Grove et décédée le 12 décembre 1921 à Glasgow. C'est une artiste écossaise dont l'œuvre originale contribua à définir le Glasgow Style durant les années 1890. Elle est membre du groupe d'artistes The Four. Alors The Four, tu peux rappeler ce que c'est, vite fait, c'est écrit, hein. Groupe d'artistes de Glasgow, parmi les plus connus dans le cercle plus large de l'école de Glasgow. C'est un groupe. Donc début avec sa sœur Margaret, mais parce que du coup Margaret, on l'avait vu. Margaret, c'est possible. Margaret MacDonald McIntosh. Oui, Margaret MacIntosh, on l'avait vu. Ok, donc c'est comme ça qu'on a trouvé. Frances McDonald est la sœur cadette de Margaret MacDonald McIntosh, également artiste, née à Kidsgrove dans le Staffordshire. Elle emménagea à Glasgow avec sa famille en 1890.
En 1891, les deux sœurs fréquentent les classes de peinture de la Glasgow School of Art, où elles firent la rencontre de l'architecte Charles Rennie Mackintosh et de l'artiste James Herbert McNair. Frances épousa McNair, tandis que sa sœur Margaret épousait Mackintosh. Les deux couples formèrent le groupe appelé The Four, voilà, mais on nous explique du coup. Tous étaient membres du mouvement de la Glasgow School, regroupant artistes et designers, dont Charles Rennie Mackintosh était le leader. En 1894, la première présentation de leur travail avant-gardiste retint l'attention du public et fit accéder The Four à la notoriété. Vers le milieu des années 1890, les deux sœurs quittèrent l'école pour ouvrir un studio indépendant en centre-ville. Elles travaillèrent sur des graphismes, des créations de textiles, des illustrations de livres et le travail du métal, et développèrent un style influencé par le mysticisme, le symbolisme et l'imagerie celtique. Frances produit également un large éventail d'autres œuvres artistiques, comprenant la broderie, le gesso et l'aquarelle. Tout comme sa sœur, elle est influencée par les travaux de William Blake et d'Aubrey Beardsley. Ça doit être une graveur, illustratrice, illustrateur. Non, mais c'est un garçon. Oui. J'ai lu au féminin. Dont on retrouve la marque dans son utilisation de formes allongées et d'éléments linéaires. Les sœurs MacDonald exposèrent à Londres, Liverpool et Venise. Elles deviennent également membres des Glasgow Girls, un autre groupe issu de la Glasgow School et composé de femmes artistes et designers. Est-ce qu'on clique sur Glasgow School, Glasgow Girl, pardon. Non, Glasgow Girl. Oui. Ok. Et là, on vient d'en ouvrir une cinquantaine. Mariage, alors, mariage et émancipation, donc elle va épouser... Est-ce que c'est intéressant, c'est ça? Oui, parce qu'il y a un truc après... Donc, le 14 juin 1899, Frances épousa McNair et le rejoignit à Liverpool, où il enseignait à l'école d'architecture et d'art appliqué. Le couple produisit des aquarelles et du design d'intérieur, notamment l'aménagement de leur appartement au Oxford Street 54. Ils exposèrent une salle d'écriture pour femmes en 1902 à la première exposition internationale d'art décoratif moderne de Turin, en Italie. Frances commença alors à enseigner à son tour et en parallèle commença à créer des bijoux, des émaux et des textiles. Le couple eut un enfant, Sylvan, né le 18 juin 1900. Donc là, on sait qu'elle a une exposition en 1902, mais il y a l'ouverture de son studio indépendant avec sa sœur, qui peut être considéré comme un moment de visibilité. Mais... Oui, oui. Alors, déclin. Au début des années 1900, le couple exposa à Liverpool, à Londres, à Vienne et à Dresde. La fermeture de l'école d'architecture de Liverpool en 1905 et la faillite de la famille McNair donnent un coup d'arrêt à sa carrière. Dès 1907, Frances donna régulièrement des cours à la Glasgow School of Art. Le couple retourna à Glasgow en 1909. Durant les années qui suivirent, Frances peignit une série d'aquarelles symbolistes sur des thèmes auxquels sont confrontées les femmes, comme le mariage et la maternité. Ses expositions ne rencontrent hélas pas le succès escompté et elle arrêta de présenter ses œuvres au public à partir de 1912. En 1913, le couple McNair part pour le Canada mais revient en Écosse dès 1914, juste avant le début de la Première Guerre mondiale. Frances décéda à Glasgow en décembre 1921 à l'âge de 48 ans. Son fils Sylvan émigra à la fin du siècle en Rhodésie. Les réalisations de Frances sont moins connues que celles de sa sœur, notamment à cause de son départ de Glasgow, mais également parce que son mari détruisit beaucoup de ses œuvres à sa mort. Bah, c'est sympa. Les œuvres des deux sœurs furent également largement éclipsées par celles de Charles Rennie Mackintosh. La plupart des œuvres de Frances MacDonald se trouvent aujourd'hui au Hunterian Museum and Art Gallery à Glasgow et à la Walker Art Gallery de Liverpool. Voilà, c'est sympa le mari qui détruit les œuvres quand elle est morte. Ouais, ça c'est le contre-postérité que les femmes essaient de faire. Pour les femmes artistes, ouais. Elles font continuer le travail au-delà de la mort, et lui, bah, il dit non, moi je vais tout détruire. Je m'en balèque. Allez. Donc, du coup, tu disais la date de sa sœur après la première présentation de leur travail. Bah, c'est ça, 1894, c'est très bien.
Ah bah oui. J'avais pas lu. Oui, j'avais pas lu. 1894, ouais. Ok, on peut regarder un peu les œuvres. Oui. Design floral. Une femme dans une fleur qui tient une fleur. Design floral. Un paradoxe. Ah ça, moi, je... Ça me fait peur. Ça me fait un peu peur, ouais. Des trucs symbolistes. Hein, en fait, c'est, ouais, c'est ça, c'est un mélange entre le... Bon, religieux et les contes... Le religieux et l'art and craft, en fait, parce que c'est un peu ça. Ouais, puis aussi un peu de mysticisme... Ouais, c'est un peu du traditionnalisme, du retour ouais, un peu à un truc, tu vois, genre celtique, un peu, tu vois. Parce que c'est un peu ça, c'est, tu sais, c'est l'idée ouais. des fées... Avec un peu les fleurs art nouveau... Des esprits de la forêt. Oui, voilà. Le choix. Mm. Donc ça, j'imagine que ça, c'est une bague, genre... Parce qu'ils ont tous les deux la main au même endroit. Femme debout derrière le soleil. Il y a quelqu'un de couché aussi hein, sur le soleil. Sorte de pharaon. Alors non, c'est pas vraiment un pharaon. Si, ils ont les coiffes un peu, on dirait. Celui non, à gauche non, aussi. Non, mais ils ont tous la même coiffe. Ah ouais. Tout le monde a la même coiffe. Printemps. Ouais, ça, c'est les allégories. C'est ça, en fait, que les allégories du printemps, c'est l'idée de l'allégorie. Ouais. La princesse endormie... Ah oui, c'est celle dans l'eau, peut-être, non ? Non, je le crois mythe pas, de... c'est dans le ouais. sens, ouais. Oui. Bon, ça, c'est clairement Art Nouveau, hein. Art Déco. Art Nouveau. C'est un peu la même chose. En fait, le truc, c'est que la seule différence, c'est qu'en Angleterre, c'était Art and Craft, le terme. Oh, d'accord. Ouf, ouais. Ah bah il y a toutes les expos qu'elle a faites. Bah ouais, mais je crois que ça commence en 1994. Ouais. Donc là, vous avez la liste de toutes les expositions, si vous avez envie de tout lire. Nous, on va pas tout lire. Putain, la troisième, la Biennale de Venise, elle a commencé aussitôt. 1899, ah, la troisième Biennale, ça veut dire... la deuxième, c'était 97, et la première, c'était 1895. C'est ouf. Après, là, c'est celle qu'on voit. Hein ouais. Ouais. Mm-hmm. Ok. Note et référence, voilà, voilà. Est-ce que tu veux voir d'autres œuvres ? Parce que je pense qu'on a déjà vu un petit peu. Il y a celle-ci aussi. C'est la même que tout à l'heure. Non, c'est pas exactement la même. Là, c'est Princesse endormie avec un enfant qui est sur son ventre. Girls in a tree. Ils ont des arbres particuliers. Ouais. Des arbres un peu comme la maison du marsupilami. T'as beaucoup de refs marsupilami en ce moment, non ? Non, j'adorais quand j'étais petite la maison du marsupilami, elle me faisait, oui, c'est un rêve. Fantasmé. C'est un rêve, c'est un rêve que je comprends. Je trouve le rapport confortable du rêve, je le valide. C'est ça. Je comprends. Pourtant, c'était plein de plumes, donc quand t'es allergique aux plumes, ça doit pas être... C'est pas incroyable, non. Mais ouais, je comprends le rêve. Allez, 1894. Ah bon, on est déjà sur 1800. En dessous ? Déjà, de toute façon, c'est la ligne... ouais. Avec Suzanne Valadon. Ça, Valadon ? Oui. Valadon. Valadon ? Suzanne Valadon ? C'est pas Salandon ? C'est pas Valadon ? C'est toute la même personne. On commence à avoir des fautes dans les noms. Attends, non, je regarde. Tu regardes dans le frama, hein ? Non, je regarde dans internet. Suzanne Valadon. Non, c'est ça. Suzanne je crois qu'on l'a du coup mal prononcé pendant tout le moment, j'ai l'impression. Mais non, mais je crois que Valadon, ça existe aussi. Attends, je regarde. Non. non, c'est Valadon. Voilà. Ok. Bon, bah voilà. Franchement, tu sais, elle est jolie la frise quand même. Ça donne. Ça donne envie. C'est beau, c'est beau. Dire qu'on a fait ça pendant 2 ans. On n'est pas encore à 2 ans. Mais ouais, au moins 1 an et demi. Bon. Je propose qu'on continue. Ouais, il faut juste enlève le. Ouais, voilà. Comme ça, elle est plus. Oui.
Alors ça, c'est ce qu'on Glasgow a ouvert. School, alors du coup, est-ce qu'il y a des... Bah, c'est bizarre, c'était pas Glasgow Girls que t'as ouvert? Si, si, les Glasgow Girls, elles sont là. On a dû en faire plein, parce que les femmes... Ouais, mais il y en a plein qu'on n'a pas, je crois. Dans ce que j'ai vu, là, j'en ai vu quelques-unes. Jessie Marion King, on l'a. Oui. En fait, on a peut-être toutes celles qui sont en bleu. Hein. Ah, faudrait... Mais là, il y a la version anglaise, tu vois, par exemple. Bon, je le mets dans le groupe, parce qu'on a un onglet groupe, de toute façon. C'est ça. C'est la pioche. C'est la pioche, onglet groupe. Qu'on n'aura plus de cartes. C'est ça. Ce qui est... Un peu probable. Un peu compliqué. Alors, Ethel Reed. J'apprécie la photo. Ouais, un beau portrait pour... Un peu dur à détourer au niveau du chapeau, mais... Non, mais... J'apprécie le portrait. Bah, tu commences quand tu peux, hein. Ouais, et d'ailleurs, il y a écrit... Ah bah non, mais c'est bon. Alors, Ethel Reed, née le 13 mars 1874 à Newburyport, dans le Massachusetts. Elle est morte en 1912 à Londres, et c'est une artiste américaine, graveuse, illustratrice, designer et affichiste. L'une des premières femmes graphistes de son temps à avoir eu, avec sa compatriote Alice Russell Glennie, une stature internationale. On ne la connaît pas, Alice Russell, je crois. Non, affichiste américaine. Ah, mais elle est juste après, donc c'est très bien. On a ah, la... bah voilà. Parce que j'avais pas la page Wikipédia. Eh ben, parfait. Du coup, c'est ça, on va faire des graphistes. Non, mais je fais le petit topo pour Frama. J'ai pas fait la description, je vais la faire. Hop. J'ai mis le lien en plus, parce que voilà, Nick. Et voilà, donc la fin. T'as besoin que je descende maintenant ? Non, mais j'attendais que t'aies fini, que t'aies avancé. Bah, ça me perturbe de voir le chat aussi calme. Ah, mais non, mais faut reprendre l'habitude, hein, rappelle-toi l'année dernière. Ça, c'est notre... C'est grâce à Twitch, mais grâce à Jeff Bezos, bien entendu. Ouais. C'est la norme. Ouais, c'est vrai. Rappelle-toi. Hop. Alors, sa biographie. Donc, c'est la fille d'Edgar Eugène Reed. Je brode. Okay. C'est la fille d'Edgar en mangeant, tout en mangeant. Ouais. C'est compliqué. Hein. Non, mais peut-être qu'il y a une brodure. Tu peux broder ton dalle. Ah ouais. Tu vois. Et ça t'évite de payer, tu vois, la nourriture. Ouais, j'avoue. Peut-être que ça t'enlève un peu le, tu vois. Ah, y a pas le lien. Trop bizarre. Pendant que c'est à cuire. Ah okay. Ouais. Parce qu'on peut faire du tricot avec des spaghettis, par exemple. Donc au final, ouais, non. Donc, fille d'Edgar Eugène Reed, Ethel Reed se retrouve sans son père à l'adolescence et doit travailler très jeune pour faire vivre sa mère. Il déménage à Boston en 1890. Là, elle entre à la Cowles Art School, l'un des plus importants établissements d'enseignement artistique de la ville, et fréquente l'atelier de la miniaturiste Laura Combe Hills, 1859-1852. Alors c'est bizarre ça, parce que elle peut pas être née en 1859 et morte en 1852. Aïe, aïe, la blague. Que est-elle ride? En effet, mais ride. Uh-huh. Il paraît que c'est trop calme, c'est à cause de toi. Bah oui. Non mais continue ta brodure, t'inquiète. Ta brodure. Ta brodition, quoi. Ta brode... Non, je vais pas forcément... blablibla, Laura Combe Hill, qui fit d'elle un portrait à la mine de plomb. J'ai pris le nom. Ouais. Dès 1894, ses travaux sont remarqués et publiés par The Boston Herald. Donc, 1894 à nouveau, comme date. Non. The Boston Illustrated ou The Boston Daily Globe. La dernière souderie. C'est bien, c'est parce qu'on n'a pas du tout le terme, en fait. Broderie, en fait, non? Je sais même pas comment on dit quand on... Quand tu brodes, tu fais de la broderie. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas logique. La fatigue est dure. Ouais. Elle est embauchée par l'éditeur Lumsden Wolff & Co.,
installé entre Boston et New York et compose pour lui près d'une dizaine d'affiches promotionnelles en héliotypie. Qu'est-ce que c'est l'héliotypie, monsieur ? Mais qu'est-ce que l'héliotypie ? Ah, c'est l'héliogravure, du coup. Ah oui, d'accord. C'est la gravure sur du cuivre et après tu fais... c'est ça. Procédé d'impression particulièrement adapté au très long tirage. Où, alors, je vais vous le lire parce que c'est... adapté au très long tirage où de haute qualité de reproduction est exigée, l'héliogravure est aussi un procédé ancien et de très haute qualité et rareté pour les titres photographiques d'art. Procédé appelé aussi héliogravure au grain, répertorié, bon, ok. Dessin par le soleil, le prénom le premier nom donné au procédé de son invention, Nicéphore Nips. Ses premiers essais nécessitant une longue exposition au soleil, devant la difficulté à transposer les images obtenues sur papier, il travaille sur une méthode de gravure à partir de prises de vue. Donc c'est-à-dire, oui, voilà, qui perfectionné sera rebaptisé l'héliogravure avant d'être utilisé pour les grands tirages. L'héliogravure a été le procédé de la qualité couleur avec l'impression de livres d'art et de cartes postales sur machine à plaque dans les années 50-60, le tirage pourrant être de l'ordre de 500 à 300. La trame originale, carrée, n'étant plus visible avec la superposition de trois couleurs de base, le noir étant un peu plus destiné à souligner l'image ou pour les textes, peut-être que ça vient de là, le RVB ? Je sais pas. Bah, il y en a trois couleurs. La gravure des cylindres à l'acide perdura, je crois pas, hein, mais perdura jusqu'en 1994. Donc à l'acide, sur cylindre métallique, il faut préciser, c'est pour ça que c'est à l'acide. Elle sera alors complètement remplacée par la gravure mécanique au diamant. Illustration, voilà, c'est ça apparemment, qui utilise la trame de l'offset. Donc l'offset, c'est le pochoir de ce que vous voulez imprimer. Ce qui donne des points de gravure de profondeur et de surface variables. Il y a deux points ici. Ça, c'est bien aussi pour un sujet d'impression. Voilà, voilà. Bon, vous avez un peu compris, du coup. Là, ils disent que c'est une gravure à taille douce. Donc, du coup, c'est une gravure en taille douce. J'allais dire en Mont-Vallée, tu sais. En vallée. En creux. En creux, voilà, merci, je cherchais le terme, mais... voilà. Il faut pas chercher ce soir, hein. Je pense qu'il faut dire... Et ça donne à peu près ce genre de petits détails, donc en fait, c'est surtout au niveau... bon, là, c'est pixelisé, mais en fait, c'est très fin, en fait, comme truc. Voilà, voilà. D'accord, donc voilà. Elle compose donc pour lui, pour son éditeur, près d'une dizaine d'affiches promotionnelles en héliotypie, des couvertures de livres et de nombreuses vignettes hors texte d'une remarquable facture inspirée par l'Art and Craft qui essaimait depuis Londres, puis par Chicago et Boston. Elle compose des illustrations pour des périodiques destinés à la jeunesse comme Saint-Nicolas, An Illustrated Magazine for Young Folk, ainsi que pour deux magazines de Philadelphie, The Penny Magazine et Footlights. Sa suite de gravures pour In Childhood's Country de Louise Chandler Moulton fait partie de ses plus belles réalisations. Elle devient l'assistante d'un peintre bostonien en vue qui s'appelle Philip Leslie Hale, le fils de l'historien Edward Everett Hale, mais quitte son atelier au cours de l'été 1897 pour visiter l'Europe en compagnie de sa mère. Finalement, elle décide de s'installer à Londres et elle a trouvé une place d'illustratrice au Yellow Book, une revue fondée par Aubrey Birdsley et John Lane, au moins jusqu'en mai 1897. Elle fait la couverture de janvier. Par la suite, elle est publiée par The Sketch en avril 1998 et le magazine satirique The Punch. Elle revient sans doute vivre à Boston, puisqu'elle fournit ensuite des illustrations à l'éditeur Copland & Day, fondé et dirigé par le photographe pictorialiste Fred Holland Day, puis à différents journaux comme The New Illustrated Magazine, mais rien n'est sûr. Son biographe, le critique William S. Peterson, a mené une enquête très fournie en 2013 pour essayer de retracer le parcours fulgurant de cet artiste qui semble s'éclipser peu avant 1900. Souffrant d'alcoolisme, elle meurt en 1912 dans son sommeil. Aïe, aïe, aïe. Deux de ses affiches ont été reproduites par Jules Chéret dans le recueil périodique Les Maîtres de l'affiche, à savoir The Quest of the Golden Girl et Miss Traumerei. Il existe deux célèbres séries de portraits photographiques représentant Ethel, l'une par Frances Benjamin Johnston, l'une des premières grandes photographes américaines, l'autre par Fred Holland Day. Donc là, on a la liste de ses affiches publicitaires.
avec les différentes éditions. Voilà. 1894, de toute façon, on avait vu. Oui. Elle s'est clipsée à une tombe, c'est ça? Alors attends, je vois plus la blague. Parce que là, on a un petit décalage, je il crois. s'éclipsait, il semble s'éclipser Oui, c'est peu ça, c'est avant parce qu'elle 1900. s'est éclipsée, oui, voilà. D'accord. Donc là, c'est pour In Childhood's Country. Qu'est-ce que c'est que cette pub? Mais c'est un truc pour les enfants, une childhood country, non? En fait, c'est repeint après, je pense. C'est rajouté en plus, non? Je sais pas. Sûrement. Tu veux qu'on regarde un peu plus du coup d'œuvre? Ouais. Parce qu'on a la date. Je vais enlever juste Après, elle ça. est pas photographe en soi, hein, donc Non, ça, mais. c'était un dessin, c'est une gravure. Oui, mais c'est elle la photographe. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que là, le truc que t'as vu, t'as dit Oui. c'est repeint, pas Oui, mais c'est forcément. repeint dessus parce que regarde, il y a peut-être une gravure Ah avant, ouais. mais c'est repeint après. Ah Quand ouais. je dis ça, c'est parce que les couches, elles sont plus. Comment dire? Il y a des traits fins, mais les couleurs, c'est des aplats. Et puis le noir, il est fait après le jaune. Ouais, ça a l'air d'être ça aussi. Ok, du coup, je voulais vérifier quoi déjà? Ouais. Ah non, pas Je suis pas ouvert. sûr qu'il y aura Enfin, sur Google, peut-être. Ouais. Je suis désolée, j'ai un peu mal au dos, donc si vous me voyez m'étirer, c'est normal. Oui, non, mais on va pas te juger, hein, je m'étire tout le temps, t'inquiète. Ethelried. On essaie de regarder en grand. Alors, ri dans sa forteresse de solitude. Non, mais t'inquiète, on a ri. Après avoir compris, mais c'est parce que nous, ça nous prend du temps. Un process. Ah bah ça c'est Miss Traumerail. Donc c'était un truc de concert. Pardon. Oui, c'est ça. Folie for Saintly Nice. En fait, c'est quand même assez systématique, hein, ces affiches. C'est-à-dire, Bah, dans quel rapport c'est un systématique? peu toujours pareil, quoi. Ah On oui, parce reconnaît son qu'il y a, style, y a c'est ce que des. je veux dire. C'est comme. C'est pour ça qu'on appelle ça des affiches publicitaires aussi. Il y a des codes très spécifiques à la pub depuis très longtemps maintenant. $0,50. Il y a des Et trucs pas cette mal, hein. typo illisible aussi, hein. Oui, bah y a ça aussi, ouais. Il y a ça aussi, où l'accessibilité, comme maintenant, scénique. Déjà, depuis. Depuis 1894. T'as vu, il y a la photo là, au-dessus du truc. Ouais, voilà. De elle, je suppose. En costume de nymphe. Toi, tu préfères la version nymphe ou celle-ci? Moi, je préfère celle-là. Hein. Non, celle-là, elle est bien. Oh, celle-ci est bien aussi. Ah, ok, bon, on continue. On met sur la frise aussi. Oui. J'ai l'impression qu'on va aller vite aujourd'hui. Alors, bah, bonne nuit, hein. Ouais, moi, C'était bien. Hein. je pense qu'on peut faire comme dans les streams où les gens dorment. Je Comme pense que ça, ça. il y a des streams où les gens dorment? Ah, c'est un peu comme ça que le stream a commencé. C'est les gens qui mangent tout seuls, Ah oui. qui voulaient être accompagnés. Pourquoi ça s'est pas mis ensemble? Ouh. Qu'est-ce qui se passe? C'est le centre? C'est centré là? Ouais, mais c'est Ah, il y a juste. du vide là? Ouais. Quel enfer! Bah non, il n'y en avait pas Si, pourtant. si, 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 c'est juste qu'on le voyait pas. Voilà, c'est mieux. Ah, merci. 1894, Ethelried. Oui. J'essaie de remplir les espaces de vide sonores, sache-le. Peut-être que je ne devrais pas. Si. Si. Excusez-moi, mais j'ai entendu une fois la technique de le silence à la radio, c'est-à-dire l'interdiction du silence à la radio, qui n'est pas un bon truc à suivre hein, non plus. Mais je pense que ça me stresse du coup de me dire que si tu fais plus de 4 secondes, les gens ils se disent il y a un truc bizarre qui se passe. Et c'est vrai que tu vois genre
c'est la marge du moment où c'est un peu pas gênant mais awkward le silence, tu vois. Ça c'est intéressant à se renseigner de comment ça fonctionne. Bon bah voilà. Je commence à avoir de l'impatience dans les genoux. Déjà ? J'adore, ouais, c'est vraiment bien. Là, je sens que mon corps, il est à fond, là, tu vois. T'as tellement envie de t'enfuir. En fait, il y a mon dos qui m'énerve, il y a mes jambes qui m'énervent, ça va être chaud. Ça va être... C'est bon. On enchaîne. Hélène Sandors. J'essaie d'aller le plus vite pour pouvoir te laisser partir. Pour aller à Dieu. Ouais. Au bout de 5 secondes. Je vous propose ce soir, au lieu de faire la chronologie des femmes artistes, qu'on fasse un petit jeu. C'est-à-dire ? Je sais pas. Non, mais tu sais, ça va finir genre en mode, moi je vais faire 4 artistes en mode gros rush et de dire, bon bah écoutez, on va regarder. On va regarder quoi ? Je sais pas. Aussi. Moi je serais motivé en ce moment, je me dis, ouais, ça serait bien de faire un petit rappel des documentaires sur le graffiti, mais faut que je les retrouve. Faire un petit revival, et après il y a plein de trucs qui passent pas sur Twitch, donc c'est un peu chiant. Bah oui. Entre autres, des choses illégales étrangement. Voilà. Donc Hélène Sandors. On dit Sanders. Ah bon, c'est comme ça qu'on dit en américain. On dit Sanders. Sanders. Ah non, okay. J'ai écrit n'importe quoi. J'ai collé n'importe quoi. J'ai fait un repère de l'enfer. Avec un lien. Avec un lien dedans. Il y a rien qui va. Alors, Hélène Sandors, née en avril 1885 et morte en janvier 1963. Ça va. C'était une peintre anglaise associée au mouvement vorticiste. Je sais pas ce que c'est. C'est quoi le vorticiste ? Je sais pas, puis on peut pas cliquer dessus. En plus, on va nous expliquer, je pense, après. Est-ce que c'est pas un truc où les gens ils sont fans de Vortex ? Ouais. J'imagine bien le truc. Mm. Tu vois, c'est. Ils ont vu. Je sais pas. Tu vois. Hmm. Ok. Life is Strange, genre. Ouais. Un truc où il y a un vortex. Ouais, ouais, d'accord. Ça a l'air long, hein, non ? Non, pas forcément. Oui, alors. Allez, en français, tu veux la faire ? Hélène Sandors. Voilà, je te la mets en version française, comme ça c'est plus simple. Merci. Alors, donc c'était une artiste peintre britannique. Elle est née à Ealing. Sanders a étudié à la Slade School of Fine Art de 1906 à 1907, puis à la Central School of Art and Design. Elle a exposé ses œuvres à l'exposition artistique du XXe siècle à la Whitechapel Gallery en 1914. Nous avons la première date, 1994. Je me rappelle. Puis en juillet, elle s'associe au mouvement du vorticisme. Là, il y a une définition de vorticisme. Un mouvement artistique britannique du début du XXe siècle, s'épanouissant entre 1913 et 1915, et regroupant des plasticiens, des poètes et des théoriciens, il est considéré comme le seul mouvement britannique significatif de cette période. Et on nous explique ce que c'est du coup. J'ai envie de tout le temps bailler. En même temps, on est en train de se faire des combos de bailler. Le terme vortex fait allusion aux théories de Umberto Boccioni, affirmant que l'art trouve sa source dans le tourbillon. Ah bah voilà. Des émotions. Donc c'est vraiment Life is Strange. Ouais. Voilà. Donc, elle s'associe au mouvement du vorticisme en signant leur manifeste dans le premier numéro de la revue Blast et en contribuant à leur exposition inaugurale. Elle a exposé avec le groupe de Londres en 1915 et à la Dore Gallery, mais à partir de 1920, s'est détournée de l'avant-garde et a adopté un style plus figuratif en exposant plus tard avec la Holborn Art Society. Une biographie parue en 1996, signée Brigitte Pépine, comprend une introduction de Richard Koch qui dit « Les premières œuvres de Sanders ont acquis une place respectée dans des cercles expérimentaux d'avant-garde, ce qui rend cruelle la relative indifférence montrée à son égard dans les années suivantes. Elle a enduré ce manque d'attention avec un grand stoïcisme, et seule sa générosité naturelle lui a permis de ne pas succomber à l'aigreur. » Pippin a mis à jour un grand nombre d'informations, jusqu'alors inconnues, sur la vie et l'œuvre d'Hélène Sanders.
Cependant, assez peu de choses sont encore connues sur elle et sa notoriété artistique reste relativement circonscrite au Royaume-Uni. Saunders est morte à Holborn, en London, le 1er janvier 1965. Ok. Mais il y avait plus de trucs en anglais. Hein. Ouais, bah on va revenir en anglais. Donc là, il part de Blast. Alors, attends. Tu peux parler de ça, ça commence ici. Mais au-dessus, il part... Non, mais tu peux revenir au début, à la limite. Hein. Alors, ouais, elle va avoir un... Donc, quand elle était à la Central School of Art and Craft, elle a un entraînement plutôt technique, plus technique que celui de la Slate. En 1912, le travail de Saunders est reconnu comme recognizably post-impressionniste. Et en février, sa peinture Rocks North Devon a été acceptée par le Friday Club, un groupe, une exposition de groupe qui était montée par Vanessa Bell. Tu peux regarder si Vanessa Bell elle est artiste, s'il te plaît. Elle a exposé son travail à la galerie Barbazong et à la Allied Artist Association. En 1912, hein, remarque qu'on a parce que oui. Si en février sa peinture machin a été acceptée. Oui. 1912. Donc Saunders a exposé à la 20th Century Art Exhibition à la Whitechapel Gallery, donc ça c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et c'était une des premières artistes british à travailler dans un style non figuratif. Donc après, il y a son association avec le vorticisme, ça on a vu. Donc elle et Jessica Dismo étaient les seuls membres femmes. Qu'on avait déjà vu. Ah ouais ? Je me souviens plus. Donc voilà, et on nous dit que Saunders a été influencé à la fois par la France et l'Allemagne. Et pendant la Première Guerre mondiale, elle a travaillé... dans le bureau de la censure, c'est ça ? Censure, du gouvernement des United Kingdom. Donc ensuite, elle expose avec le London Group en 1916. Et à partir de 1920, donc elle se détache de l'avant-garde et adopte un style plus réaliste en travaillant la nature morte, les paysages et les portraits. Et c'est à ce moment-là qu'elle va exposer avec le Holborn Art Society. Malgré sa grande carrière, moins de 200 de ses travaux sont actuellement reconnus. Ok. Bon, après, on nous dit comment elle est died. Ah, elle a été died à un gas poisoning, c'est dur. Ouais, non, c'est charbon. C'est un accident de charbon, de gaz de charbon. Ah ouais, dur. Ok, bah voilà. Qui a un peu plus de choses sur sa technique. Ah, une phrase qui ne perd pas son sens avec ou sans anglicisme. De quoi ? Bah, c'est, j'imagine ce que t'as traduit. Ah. 1912, deux ans avant la guerre. Tu sais que ça fait même pas 45 minutes qu'on a commencé, on a déjà fait trois artistes. Je te le dis. Ouais, mais c'est pas ma faute, si c'est bien. C'est beau. Alors, on va peut-être baisser donc du coup l'heure à une heure aujourd'hui. Bah franchement. Non mais si on est fatigué de toute façon moi, on va pas se forcer. Moi je suis KO. On va pas se forcer. On fait le 1912. On fait peut-être une de plus parce que on va en faire quatre comme d'habitude. Mm-hmm. Si c'est plus court c'est pas grave. Hein. Là on est tombé que sur des artistes qu'on trouve direct donc. Bah oui c'est ça. Puis avec des pages pas longues. Ce qui est déjà rare. On va regarder le travail. Tu vois, Dismo, elle est là. Ah, oui. Ah oui. Elle fait partie de l'avant-garde, elle fait partie de l'avant-garde. Oui, je vois la blague. Les deux.
Petit jeu de mots. Est-ce que c'est un jeu de mots ou comment ça s'appelle un jeu de langue, un jeu de langue, comment ça s'appelle là? Une coutre-pétrie. Il y a un terme français pour dire quand tu joues avec les mots comme ça. Une hyperbole. Une métaphore. Non mais tu vas dire tout. Une inférence. Une quoi? Inférence. Je sais pas ce que c'est. Mais c'est quoi une contrepétrie? Les deux mots veulent dire la même chose et la sonorité est la même, je me rappelle plus ce que c'est. Mais c'est pas grave, on fait pas des cours de français. Ce serait bien d'en faire des cours de français. Hein. Ah, contrepétrie, interversion des lettres ou des syllabes d'un ensemble de mots produisant un sens burlesque. Oui, mais c'est pas un sens burlesque, ça veut dire la même chose. Ouais, une contrepétrie, c'est femme folle à la messe et femme molle à la fesse. Oui, c'est ça. C'est nul. Oui, non, mais c'est oui. Mais c'est toi qui as essayé de chercher. Je le précise comme ça. Attends. Tu es fatigué. Ne fais pas de recherche, Nibbler. Moi, je si veux tu savoir. Fais des recherches, je sais les genres de recherches que tu fais. S'il te plaît. C'est faux. C'est faux. Une litote. Voilà, la veille coule, par exemple. Ah, c'est peut-être comment t'as dit Une litote. Une litote, oui, c'est possible que ce soit. Non, dire moins pour en laisser entendre davantage. Un oxymore. Qui vient rapprocher deux termes que leur sens devrait éloigner dans une formule en apparence contradictoire, comme une obscure clarté. Ouais, je vais pas la chercher ta contrepréterie là. La jeune fille revint de la ferme pleine d'espoir jusqu'au pont du Jura. Ça pue le caca. Ça pue le caca, je t'avoue. Comment dire? Comment dire? Waouh. Une allitération, c'est une répétition d'une ou plusieurs consonnes. Oui, c'est plus. Alors non, c'est pas vraiment ça. Par contraste avec l'assonance. Oui, c'est comme moi président, c'est une allitération. Ouais. C'est le truc de Hollande qui avait fait. Ouais. Et l'assonance qui se base sur une répétition de voyelles. C'est trop dur. Pourquoi ils ont inventé tout ça? La paronomase. Ah bah c'est ça. Du fait de son pouvoir fortement accrocheur. Ce jeu de mots reposant sur les ressemblances graphiques et phonétiques est très souvent utilisé dans des énoncés qui ont vocation à être courts tout en étant efficaces. Exemple de paronomase. Hey, j'ai trouvé le dictionnaire des signatures d'artistes ici. Attends. Non, c'est pas ça. Regarde, Nibbler. J'ai trouvé le dictionnaire des signatures, d'artistes. Waouh. Tellement bien. Bon, je suis désolée, mais il n'y a pas ce que vous cherchez, donc je trouve pas. Je trouve pas, et la phrase... Non, wow. non, cherche pas. Mais non, je veux savoir, non, moi. Non. Tu l'as fait ou pas? Mais non, mais faut pas la faire, c'est pas l'heure. Moi, je veux pas. Je vais aller dormir dans ma vie. Interverti. Non, mais je sais ce que ça va donner. Non, je ne veux pas savoir. Ok, j'ai compris, c'est bon. Je ne veux pas savoir. Je veux rester naïve. Ça va, c'est pas ouf. Hein. Je veux rester naïve quand même. Non, on fait pas haute voix. Moi, je l'ai fait dans ma tête, c'est bon, j'ai compris. Mais moi, je l'ai vu. Je savais que ça puait le caca. c'est direct, tu vois. Allez, voilà, hop, une affichiste, Alice Russell Goldeni, qu'on a eu comme ref tout à l'heure. Donc on l'a dit maintenant? Bah parce qu'elle était dans la suite, justement. D'accord. Figure-toi. Tribbing. Alors, Alice Russell Glennie, 1858-1924. Ah, tu vas faire une comédie musicale de cette... Es-tu une peintre? Non. Et une peintre et affichiste américaine. Il en faut peu. Son parcours. Elle est née à Détroit, dans une famille établie dans le New Hampshire depuis plus d'un siècle. Alice Russell Glennie s'installe à Buffalo, New York, pour pratiquer la peinture, fresques, portraits et produire des affiches culturelles. Elle signe ARG et fait partie de la haute société. Elle est, avec sa compatriote Ethel Reed, l'une des rares femmes affichistes de cette fin du 19e siècle et très militante, elle participe à de nombreux événements réunissant des femmes artistes américaines. Et je t'attends pour continuer. Elle réalise en 1895 une fresque pour l'une des salles du 20th Century Club de Buffalo. Oh. Un bâtiment qui
construit par la firme Green and Weeks, toujours visible. La salle en question fut rebaptisée Alice Russell Glennie Room. Ce club féministe dédié aux arts, dont elle fut la présidente de 1899 à 1900, est le deuxième fondé aux États-Unis. En mai 1901, elle participe à la Buffalo Pan-African American Exposition, dont elle fait l'affiche officielle. Son dessin, The Maid and the Mist, sert aussi comme illustration de couverture aux publications de l'association Board of Women Managers, qui fut très active dans l'organisation de cette exposition pour imposer une présence féminine. L'événement fut hélas entaché par l'assassinat du président William McKinley, qui était venu visiter l'exposition. Elle préside la Société des artistes de Buffalo en 1893, 1894 et 1903-1904. En 1880, elle épousa John Clark Glennie, le couple eut deux filles. Dans sa sélection d'affiches, nous avons Woman's Edition Buffalo Courier, reproduit dans Les Maîtres de l'affiche, Buffalo Fine Art Academy and Society of Artists Exhibition, et The Choral Harp Guide Music and at the Pan-American Exposition. Voilà. J'espère que c'était clair pour vous. Et oui, mais alors, du coup, encore, je n'ai rien suivi. Encore une page Wikipédia courte, mais avec la date, encore. Oui. J'ai tout lu, mais j'ai rien compris. Parce que je me suis étirée en même temps, donc je sais pas ce que j'ai lu. Bah, qu'elle faisait partie des groupes, qu'elle est plutôt connue dès le début, et... on peut mettre la fresque en 1895. Hein. Que, oui, c'est ça, mais c'est ce que j'allais dire, j'étais en train de te parler de la page, en fait. Mais si t'as pas envie que je te rappelle, c'est pas grave. Hein. Ok, bon bah voilà, on a fini le travail, hein, on peut y aller, hein. Salut, une heure pile. Allez, fini. J'aime bien les... parapétrie aussi. Les parapétrie, ouais, c'est bien. Le marouillé est habité par les mythes. Non, mais. Cherche pas. C'est pas l'heure. Nibbler, tu te perds. Mais je sais pas, j'essaie de suivre, moi. 1895, une fresque pour l'une des salles du 20th Century Club de Buffalo. Ah non, mais attendez, j'ai déjà caché alors qu'on doit regarder les heures. Ah là là. Je suis désolé, hein, mais là je suis vraiment. Non, mais on est allé vite. C'est magnifique. Moi je trouve qu'une heure pile, 4 artistes, 4 dates, efficace aujourd'hui. Ah d'accord. Ok, c'est nul. Et t'es content. Non, je t'ai dit de pas te perdre. En fait, je comprends pas pourquoi tu veux essayer. Il y a rien à essayer en plus. Et c'est marrant parce que ça, je l'ai déjà vu. On a déjà vu en fait, mais je crois qu'on l'a trouvé parce qu'il y avait une artiste qui avait son œuvre dans une autre page. C'est assez audacieux d'avoir fait tomber le collier sur les lettres. Enfin, tu vois, oui. Qu'on lise pas bien le truc. Ouais, je parle d'audace comme ça, gratuitement. Ouais, mais je cherchais l'audacité. L'audacity. Audacity. Je cherchais l'audacity, le logiciel, bien sûr. Voilà. L'audacity. Mais on dit pas audacity, audace en anglais. Si. Ah ouais, Odyssey, non? Odyssey. Alors, t'aimes le style, bah, c'est de l'art nouveau, hein, comme si. Non, c'est pas Odyssey? Non, c'est Audacity. What Audacity? T'as vu, avec l'accent, t'as vu? C'est magnifique. Avec la bouche. Sur toute ta tête. C'est très bien comment je fais les têtes. Hein. Bon, c'est que la même. Les maîtres de l'affiche. Ça, c'est pas elle, forcément. Ça va bien, mais on voit pas en grand. Je vais agrandir. Madame, arrêtez de lécher le canapé. Mais oui, j'avoue. Mais tu fais quoi, Nina? Ah non, mais c'est le bout de sa queue. Elle dit en train de lécher le canapé, mais il n'y a rien qui va aujourd'hui. Aïe aïe aïe. Elle nous a trop mal regardé, genre bah non. Je suis en train de lécher ma queue, excuse-moi. Arrête de me juger. Waouh. Pire chat de tous les temps. C'est une ode à City. Bravo. Pourquoi
pourquoi j'ai zoomé autant. Vous me le direz. 1895, c'est ça? Oui, là, avec Clémentine Hélène Dufaux, Marguerite Delorme et Marguerite MacDonald McIntosh. Margaret MacDonald McIntosh. Mais c'est pas la même. MacDonald, elle est à côté, l'autre, tu vois. Oui, mais je veux dire, c'est sa sœur, Margaret. Voilà, elles sont à la même hauteur, maintenant. Margaret, c'est la sœur de Frances. Bah, en fait, quand on va faire notre récapitulatif, voilà toutes les femmes qu'on a faites. Elles sont là. On a fait deux ans, en 1700, deux je crois. On n'a pas fait de 1700 aujourd'hui. Bah non. Oui, c'est vrai. Alors, ah oui, bah, c'est vrai que là, sur le coup, un peu trop de McDonald's, ouais, j'avoue. Après, bon, c'est un nom, là, bah, ça. Ah, fatigue. Bon, voilà. Et tout ça en 1h10. C'est moins beau. 10 minutes, ça veut dire 1h pile. Bravo. Bravo, Nibbler. Je pense qu'on peut aller dormir. Allons, je reviens. Salut. C'était cool. Non mais... Waouh. Là, moi, je suis au bout de ma vie, hein, franchement. Non mais quand t'as pas... Quand ton corps, il est pas bien... Ouais, Non mais là, c'est... Là, je suis pas prêt, moi. My body is not ready. On va raider, hein. Je vous le dis direct. Voilà. On va raider. Mais par contre... comment vous dire... Oui, donc dimanche, il n'y aura pas le chip stream, déjà. Ça, on peut en parler. Du coup, il y aura peut-être un truc vendredi après-midi, samedi. Ouais, c'est peut-être samedi après-midi, tu pourras faire un truc. Samedi après-midi, ou à partir de la matinée, je fais comme tous les streamers, tu vois, je commence à 10h. À 10h, je finis vers 19h30. Bien sûr. Je joue à Céleste, pour ne citer personne qui joue pendant trop longtemps. C'est quoi Céleste? C'est le jeu que Réunie Belle fait en ce moment en faisant des 10 heures de live. Waouh. J'espère qu'il y a des pauses pipi et des pauses étirements dans ces lives. Non, quand je même. Crois pas. Quand même. Il a fini le jeu en stream. En juste 6 heures de plus. Qui? Bah, c'est ce qu'il a dit. J'ai fini le jeu hors stream. Non mais en plus le pire c'est ça, c'est que tu fais 10 heures de stream pour vous montrer qu'en fait t'y arrives pas et en 6 heures tu finis en dehors du stream. Parce que c'était pas très intéressant, n'importe quoi. C'était le jeu où t'arrêtais pas de perdre. Oui c'était Céleste, c'est le Die Only Try, donc oui c'est ça. C'est tu meurs et tu... Non mais 6 heures pour finir 3 levels, oui. Non mais faut... ça c'est vrai ça. Ça c'est vrai, j'ai vu. I was here. Bah écoutez, on va raid. Je vais checker vite fait. Qui y a On a fait le stream le plus long de toute notre carrière de streamer. Pourquoi tu... Alors attends, j'arrive pas à lire. Pourquoi y a pas raid? Ah oui, si. Du coup, j'ai pensé hors stream sur un nouveau jeu ce week-end. Ouais. Bah moi je vais essayer de continuer Tunic, mais bon, si me nique tout le temps, ça me fatigue un peu, tu vois. Je fais la blague, hein, parce que je la fais pas pendant Tunic. Je me retiens pas. Je me retiens de ouf. Donc voilà. Mais je me fais niquer la tête à chaque fois, quoi. C'est pas cool. Bon, on a fini, c'était cool, mais je ne sais pas qui est en live, donc je vais regarder. Tout à l'heure, il y a Bichette qui vient d'arriver, mais on va checker ce qui se passe, parce qu'en fait, il faut que... Moi, je vais pouvoir suivre que du contenu qui ne soit pas trop actif, et qui ne demande pas beaucoup d'interaction. Voilà. Je sais qu'il y a l'anti-stream qui fait la télécagoule. Ça fait beaucoup rire, Nibbler. Oui, bah oui. Moi, je rigole facilement. J'ai le rire facile, surtout quand on parle de jeux vidéo qu'on n'arrive pas à finir. Ah, il y a peut-être Afro Gamers est toujours sur le road to partenaire, je pense, donc on va peut-être aller là-bas. Hein. Histoire de donner du soutien. Je pense que ça peut être cool, t'en penses quoi? Ouais, allez. Après, on a pas grand monde à envoyer, mais ça fait un host, quoi, c'est bien. Bah ouais, allez. On fait ça. Host pour la fin de la soirée.
Parce que bon, Afrogameuse partenaire, ça donne quand même un peu du rêve, hein, j'ai envie de dire. Allez. C'est Humankind avec le nouveau DLC. Humankind, c'est... en fait, on est une sorte de peuple dans une terre antique, si on peut dire, parce que c'est la terre antique, le monde qui était à l'ancienne. Et il y a le peuple de l'humanité qui arrive. Et en fait, vous pouvez vous déplacer, trouver un lieu pour pouvoir habiter, et après, c'est de la gestion, etc. Donc moi, je voulais le récupérer pour y jouer. Mais j'ai appris que le DLC qui était sorti était spécifiquement Afrique centrée. D'accord. Ce qui veut dire que le peuple Afrique, ou des Afriques plutôt, n'était pas présent dès le début. Bah non. Je me pose la question du coup du rapport à l'humanité de ce jeu. Mais on va voir, je vous invite à aller voir. C'est une sorte de civilisation en effet, mais c'est peut-être un peu plus intéressant. Oui, c'est le civilisation de civilisation, c'est le concurrent de civilisation. Parce que Civilization a fait que de la merde pendant un moment, quand même. Hein. Petite pensée à Civilization sur console, chose qui n'aurait jamais dû exister. Voilà. Bon, bah merci Raving Bell d'être resté avec nous. Oui, merci d'avoir été avec nous, c'est cool. Allez voir Raving Bell sur ses 66 heures de stream, sur ses 666 heures de stream sur Céleste, bien entendu. On se retrouve incessamment sous peu, mais ça va être sans doute à l'arrache. Donc je pourrais me permettre de ne pas jouer à Tunic non plus. Oui. Voilà. Et des cœurs. On essaiera d'être là plus longtemps la prochaine fois. Ouais, voilà. Ah, il y a Ninou qui vient dire au revoir. Au revoir le chat. Il y a Ninou. Tu dis au revoir Ninou. Au revoir Ninou. Elle veut pas. Elle veut pas dire au revoir. Au revoir. Mais elle a mis un coup de patte par contre. Hein. Salut. Salut.